Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم Donc aujourd'hui, on va parler de la prière. D'accord ? On est à la page 22. D'accord ? On est à la page 22 et on va étudier le chapitre de la prière. Alors déjà, une question que les enfants m'ont posée. Pourquoi à la mosquée, on a fait deux prières ? On a prié le Maghreb et tout de suite après, on a prié le Isha. En fait, on a regroupé les prières. Parce que comme ce soir, il est fort probable qu'il tombe beaucoup de neige, encore une fois, d'accord ? Donc pour éviter à tout le monde de revenir à la mosquée et de glisser et d'avoir un danger sur la route, eh bien on a le droit de regrouper les prières parce qu'il y a une difficulté. Parce qu'il y a une difficulté à venir à la mosquée. Dans ce cas-là, oui, on a le droit de regrouper le Zohor avec le Asar et le Maghrib avec le Isha. C'est ce qu'on a fait là, maintenant. Oui ? Vas-y, tu peux aller chercher. D'accord, les enfants ? Si, tu as le droit, lorsqu'il y a une difficulté, tu peux regrouper les prières. D'accord ? Donc, la prière, c'est... Le numéro combien dans les piliers de l'islam ? Est-ce que c'est le premier pilier ? Est-ce que c'est le deuxième ? Est-ce que c'est le troisième ? Est-ce que c'est le quatrième ? Ou est-ce que c'est le cinquième ? Ah non, c'est pas le premier. C'est le deuxième. Très très bien. C'est le deuxième. Qui me rappelle les cinq piliers de l'islam ? Regardez, on les a étudiés. Alors on va essayer de dire sans regarder. Mais sinon, on les a étudiés tout au début, à la page 6. Oui, Zahara. Après, ce sera toi. Kaina, tu peux l'aider ? Alors, la zakat, c'est pas le premier. Oui, Mohamed. La sunna, oui. La sunna, ça rentre dans le premier pilier, oui. Mais c'est pas comme ça qu'on appelle le premier pilier de l'islam. Même que le fait de suivre la sunna, ça rentre dans le premier pilier de l'islam. Inès ? Asya, oui. Bah, Asya, je t'écoute. Le doigt. Le doigt ? Le doigt. Non. Ah, le doigt. Le doigt qui fait ça. Très bien, c'est la shahada. Alors, la shahada, ça n'a rien à voir avec le doigt, on l'avait expliqué. D'accord ? C'est le fait de dire ashhadu. Alla ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله. Ensuite, c'est quoi le deuxième pilier, Inès? Ah, essaie de le dire sans regarder. Après, on va regarder, mais essaie de le dire sans regarder. La prière, très très bien. La salat, très très bien. Le troisième pilier, Sophia. Non. Le croire en Allah, c'est dans la shahada. D'accord ? Troisième pilier, Mohamed. La zakat. Très, très bien. Le quatrième pilier. Le ramadan. Très bien. Et le cinquième ? C'est quoi le cinquième pilier ? Kaina ?
Le pèlerinage, très très bien. Même que Kainel, c'est la réponse, mais elle ne lève pas son petit doigt. Hein. D'accord, donc regardez, on les révise rapidement. Page 6. Prenez la page numéro 6. Et il faut les apprendre. Les 5 piliers de... Regardez, il est marqué. Ash-shahada. Ash-shahada. As-salatu. As-salatu. As-zakatu. الرمضان الحج Donc la shahada c'est l'attestation de foi, la salat c'est la prière, la zakat c'est l'aumône, le ramadan c'est le jeûne du mois de ramadan et le hajj c'est le pèlerinage. D'accord? Donc apprenez les 5 piliers de l'islam et je vous réinterroge tout à l'heure. Vous avez 3 minutes. C'est bon? Allez, faites des groupes de 2. Mettez-vous par 2. Mettez-vous par 2 ou même par 3. Ou on va faire un concours, les garçons contre les filles. Ouais. D'accord? T'aimes pas, Mohamed, les garçons contre les filles? Mais on n'est que 3 garçons. Ouais, c'est vrai, vous êtes que 3 garçons. Donc c'est pas grave. On va faire 2 équipes, ça vous intéresse? Ouais. Vous êtes combien? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous êtes 13. On va faire une équipe de 6 et une équipe de 7. D'accord? On va voir qu'est-ce qui va gagner. C'est bon, tout le monde doit aller... De les savoir. Donc là, vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5. Vous deux, vous venez ici. Voilà. Asya. Et Meïssa. Asya et Meïssa, mettez-vous. Comme ça, là, on a un groupe. Et donc, Kaina, Sophia, Inès, Hamza, mettez-vous là sur le. Voilà, mettez-vous là avec Ilham. Mettez-vous tous à côté d'Ilham. Voilà, vous allez à côté d'Ilham et vous répétez les 5 piliers de l'islam. Oui, bien sûr, tu prends ton cahier. Allez, c'est parti. Ramadan. Pèlerinage. Shahada. Prière. Zakat. Ramadan. Pèlerinage. Shahada. Allez, vous aussi, regardez. Eux, ils ont une bonne technique. À vous de trouver une technique. Mais on fait tout doucement. Ah oui, vas-y, je veux voir votre technique. Bah en fait, moi, je connais par cœur. Vas-y. En fait, au début, je l'avais interrogé parce que bon, je les connais. C'est la shahada, la prière, la zakat, le ramadan et le pèlerinage. Très bien. Et comment tu fais pour leur enseigner? Bah en fait, au début, je leur dis que toi, par exemple, toi, tu dis le premier. Très bien. Vas-y, je vais vous voir. Faites comme si j'étais pas là. Moi, je le connais par cœur. De pouvoir commencer. Donc, le premier pilier de Bismillah. Voilà. Après la shahada, il y a quoi? Après la prière, Jacob, comme tu dis. La zakat. Voilà, après. Le ramadan. Mais j'ai toujours la zakat. Le ramadan. Alors, donc, à chaque fois, en fait, là, vous allez bien relire les 5 piliers. Voilà. Donc, on va dire en même temps 5 fois la charada, après la prière, la zakat, la prière. De côté. Ok, on dit en même temps. Un, il y a la charada. La charada. Prière. Après, il y a la zakat.
Zaket, après Ramadan, Ramadan, le après le pèlerinage. Allez les enfants. Ouais. Alors, est-ce que c'est après? Oui. Est-ce que c'est après? Oui. Est-ce que vous connaissez les cinq piliers de l'islam? Oui. Est-ce que vous aimez les cinq piliers de l'islam? Oui. Est-ce que toute votre vie vous allez appliquer les cinq piliers de l'islam? Oui. C'est beau. Là, est-ce que vous savez que c'est beau ce que vous dites? Allez, Hind, on t'écoute. Pèlerinage. Voilà. Là-bas, Mohamed. Shahada, prière, zakat, Ramadan, pèlerinage. Très bien, Tesnim. Shahada, prière, zakat, Ramadan, pèlerinage. Oui, ça fait 2-1 pour l'instant. Hamza. Shahada. Hajj, très bien. 2-2 ici. Asya. Et 3-2. Zahara. Shahada, prière, zakat, Ramadan, pèlerinage. 3-3. Allez, dernière. Oui. Shahada, prière, zakat, Ramadan, pèlerinage. Mashallah. Oui, ici. 4 Shahada, prière, zakat, Ramadan. Très bien, 4-4, dernier, oui. Shahada, prière, zakat, Ramadan, pèlerinage. 5-4, oui, Kaina, Sakina. Mashallah, donc égalité, tout le monde a gagné. Très très bien les enfants, mashallah. Retournez vous asseoir, on termine la page et ensuite ce sera l'heure des parents. Dans mon livre que j'ai pris, c'est des mots et ma tombe. Oui, tu peux.